Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter une nouvelle Tesla. Magnifique SR Plus blanche avec les jambes qui vont bien. La grande classe. Donc, la Tesla de mon filleul Sébastien, donc, qui a été livrée il n'y a pas très longtemps, je crois. Bonjour Sébastien. Salut. Tu as été livré quand? Le 30 juin. 30 juin, tu l'avais commandé quand? Début mai. Vraiment, première semaine de mai. Ok, donc tu as eu 2 mois de délai de délai standard Tesla. Même pas, hein, ça a été plus rapide. Ils m'ont même livré avant, parce que je devais la recevoir le 30, et puis ils m'ont appelé un ou deux jours avant, disant qu'elle était arrivée. Donc j'étais très content, on est allé le servir. Du coup, t'as couru chercher la Tesla? Exactement, exactement. Ouais, ça, c'est le genre de coup de téléphone qui fait plaisir. Et du coup, alors, tu avais quoi comme voiture avant? J'avais une Audi A4, une Avant. T'en étais content ou... Ouais, c'était une très bonne voiture. Alors moi, j'avais l'avantage d'avoir déjà une voiture, on va dire, haut de gamme, avec, je dirais, un confort déjà intéressant. Donc j'avais peur de ne pas retrouver ça dans cette voiture. Et puis finalement, si, je l'ai retrouvé, même au-delà des options que j'avais jamais eues. Donc, non, franchement. Alors, pourquoi tu as voulu passer à l'électrique et à Tesla? Tesla, pour tout ce qui est technologie. J'aime beaucoup aussi ce que Elon Musk a véhiculé avec ses idées. Je suis complètement fan, quoi. Sur voilà, l'écologie, sur le fait d'arrêter avec le pétrole, toutes ces idées-là, voilà, j'adhère. Et puis, bien sûr, pour tout ce qui était technologie et tout. Donc, ça fait des années que je suis Tesla. Et depuis la baisse, comme beaucoup de monde, ben, je suis passé à l'acte. Ah bah oui, bah là avec la baisse de prix et le bonus éco, du coup tu l'as acheté content, t'as fait une LOA, une LLD? Alors nous on l'a acheté content, okay. Parce que c'est vrai que nous on n'achète pas régulièrement des voitures. L'Audi, ça faisait plus de 10 ans qu'on l'avait. On l'avait déjà acheté content à l'époque. Et on a refait pareil pour celle-là. Hein, ça fait plusieurs années que je regarde Tesla. Et ben voilà, on a un peu économisé, on savait que ça allait être une Tesla. Et on y était presque, et Elon Musk a donné le petit coup de pouce pour nous aider à passer l'acte, donc content. Donc voilà, donc SR Plus blanche, je vois que tu t'es fait plaisir sur les options avec les jantes. Oui, on avait droit à une option, et j'ai pris l'option jante. Bah au final, c'est un bon choix, parce que je trouve que ça donne un cachet, ça donne de la gueule à la voiture quand même. Oui, complètement, je suis très content. Ça change l'esthétique de la voiture, donc ouais, très très bien. Ah mais totalement, franchement, le rendu esthétique de la voiture est vraiment sympa, j'aime vraiment beaucoup. Presque ça me donnerait envie de prendre une blanche avec les mêmes jantes. Eh bien écoute, on sera deux. Ah non, madame, elle va vouloir garder gris là, je pense, mais... Bon alors, du coup, depuis que tu l'as, bien? Très bien, très très bien. Ouais, tu vois, le sourire ne descend pas, c'est réel, ça fait vraiment plaisir de conduire une voiture comme ça, c'est génial. C'est génial, ça fait pas de bruit, ça accélère très fort. C'est tout ce qu'on a pu dire dans tes vidéos, c'est vrai quoi. C'est que du pur plaisir. Donc allez-y. Bah du coup, t'as pas eu l'occasion de faire mon trajet encore avec? Non, bientôt là, en mi-août, on part dans la famille. Donc on va faire à peu près 800 km. Donc j'ai préparé mes cartes, ABBR, donc tout est prêt et voilà, on va faire. Bon, du coup, tu vas pouvoir utiliser tes 1500 km de parrainage aussi. Voilà, que j'ai eu grâce à toi, donc je t'en remercie. Et oui, ça va nous permettre de faire un voyage pas très cher. Bah oui, d'où l'intérêt d'utiliser le lien de parrainage, pas forcément le mien. D'ailleurs, je vais mettre le lien de Seb dans la vidéo. Le lien de parrainage, pour rappel, bah, si vous achetez une Tesla, vous passez avant d'acheter, je précise, parce que j'ai eu plein de mails la semaine dernière de personnes qui avaient acheté la Tesla et qui voulaient avoir un parrainage en suivant. Ça marche pas comme ça. Il faut utiliser le lien de parrainage au moment où vous commandez la voiture. Ça vous permet d'avoir 1500 km gratuits. Ça offre 1500 km à votre parrain. Tout le monde est content et c'est super sympa. Donc n'hésitez pas, si vous êtes sur le point d'acheter une Tesla, utilisez le lien de parrainage de Sébastien que je vais mettre dans la vidéo. Ça lui donnera donc 1500 km et ça vous donnera la même chose à vous. Du coup, tu m'as dit que c'est plutôt madame qui l'utilise au quotidien. Oui. Bon, un peu comme moi d'ailleurs. Ouais, voilà, et ouais. Pour l'instant, tu recharges qu'à la maison. Oui, c'est ça, ouais. Je me mets en heure creuse. Donc, je départ. Enfin, le départ, c'est à peu près à 11h chez nous. Et jusqu'à 7h du matin, on arrive à faire 7h de charge. On reprend à peu près 40%.
Elle roule que 30 km, donc du coup, ça nous suffit largement. Mais t'as pas fait d'installation dédiée, toi, pour l'instant? Pas encore, non. Mais du coup, t'as quoi? T'as une prise électrique de 120 standard? Prise standard, voilà, comme si c'était un grip-in, quoi. Voilà, pareil. Mais tu la règles sur un ampérage précis quand tu la branches? Alors, j'ai descendu d'un ampère par rapport au maximum de la voiture. Ouais. Juste pour être un peu en dessous. D'accord. Et ça me suffit largement pour l'instant, quoi. D'accord. Et je pense que dans quelques temps, je vais passer à la P17. Ouais. Je vais m'acheter l'adaptateur et puis je vais faire sur mon tableau ce qu'il faut pour. Oui, histoire de recharger un peu plus vite. Ouais, voilà. Parce que c'est vrai que si un soir on sort, le lendemain, si on veut ressortir, ça peut des fois être un peu juste. Ouais, parce que là, c'est quoi? C'est une vingtaine d'heures pour faire le plein sur une prise standard? Si on est à 0%. Oui, oui. Nous, ça c'est pas le cas. On finit toujours à la journée à 50 ou 60%. Donc pour l'instant, j'ai pas eu de. Mais du coup, tu la recharges à 80-90, c'est ça? Oui. Ok. C'est ça. Alors pareil, parce que. Je dis ça parce que souvent aussi, en ce moment, je reçois encore beaucoup de mails qui me demandent pour les batteries LFP si on doit les recharger à 100%, si ça les endommage ou pas. Alors pour ma part, Camille, la plupart du temps, elle recharge la voiture entre 80-90%, 100% quand on part en week-end comme ce week-end. Cela dit, je rappelle que les batteries LFP ne seront pas endommagées si vous les rechargez à 100%. C'est une des principales nouveautés de ces batteries, donc ne vous posez pas de questions. Si vous voulez la recharger à 100%, allez-y, ça n'entraînera pas de dommages sur vos batteries, comme les anciennes Tesla. Pareil, quand vous êtes en limite de batterie à 20-10%, sur les anciennes Tesla, elles avaient tendance à perdre en performance. J'ai pas testé parce que nous, au plus bas qu'on a allé, c'est 22%. Mais a priori, vous avez aucune perte de performance ou très faible. Je sais pas si toi t'as essayé, je pense pas que tu sois descendu aussi bas. Non, non, non. on est allé à, ouais, je crois que c'est 45%, on est pas allé au-dessous encore. Oui, bah voilà, bah tu testeras surtout quand tu vas voyager. Ouais. Mais c'est bien que tu fasses un gros trajet de 800 bornes, là, au moins ça va te montrer si t'as des inconvénients, pas des inconvénients. Ouais, c'est ça, ouais. Tout le monde est tendu à cause de la charge. Hein. Oui, je pense, mais bon, avec toutes les vidéos qu'on a pu voir, on est quand même déjà rassuré, donc on va pouvoir voir des Tesla fans dans les sucres. Ah, mais ça, c'est impressionnant. Hier encore, au superchargeur de Narbonne, on s'est arrêté. On a passé 20 minutes à discuter avec tous les gens qui étaient au superchargeur. Et alors, truc rigolo, à Narbonne, je sais pas s'il y avait des jaloux ou pas, mais ils ont installé une borne universelle au milieu des superchargeurs. Du coup, on s'est retrouvé à discuter avec Camille, avec un petit couple qui avait une Hyundai, je crois, Ioniq 5. Ils nous ont présenté leur voiture, on a discuté, c'était super rigolo. Et on s'est fait rattraper par la patrouille, par le téléphone qui a sonné pour nous dire que la voiture était pleine. Mais on n'a vraiment pas vu passer les 20 minutes. Je dis ça pour rappeler, parce qu'il y en a plein qui ont l'impression que c'est une perte de temps. Mais en fait, les supercharges, on a toujours moyen de s'occuper. Et ça permet de récupérer en plus, donc au final, c'est pas si mal que ça. C'est clair. Donc, en prochaine modif sur ta voiture, les vitres teintées. Ouais, les vitres teintées, l'aileron arrière. Tu veux mettre quoi, un aileron carbone noir? Non, ouais, noir mat pour faire un rappel sur les baguettes que j'ai déjà noires. Parce que j'ai pas de carbone, donc je veux vraiment que ça soit uniforme. Donc voilà, aileron, les vitres teintées. Peut-être à la rentrée, une protection céramique. Ouais. Éventuellement. Parce que c'est vrai que moi, sur l'Audi, j'ai eu beaucoup d'impact au fil des années sur le pare-choc. Je voudrais essayer de faire un traitement céramique. Voilà. Ah, mais là, tu verras, l'avant des Tesla, c'est un ramasse moustique. Ouais. Oui, il n'y a pas de calandre, il n'y a pas. Du coup, tu ramasses tout ce qu'il y a sur l'autoroute. Ouais, c'est ça, ouais. Donc voilà, ça sera les deux. Après, j'ai pas envie de trop la modifier parce que je trouve que c'est une voiture qui est déjà jolie d'origine. Ah ouais, franchement, elle est bien. Le rendu est blanc avec les jantes est vraiment magnifique. Ouais, non, je suis content. C'est une belle jante. Et du coup, l'aileron, t'as une idée déjà d'où tu vas le commander ou J'ai regardé un peu comme tout le monde sur Amazon, AliExpress, etc. Donc voilà, je vais pas chercher quelque chose de fantastique. Mais quelque chose qui tienne déjà. Quelque chose qui tienne, voilà, exactement. Voilà. Fasse le job. On va avoir des surprises des fois pour AliExpress. Oui, c'est pour ça que je vais me renseigner et puis on va bien voir. Et voilà. Ok, très bien. Donc encore un nouveau possesseur Tesla content. Voilà, c'est ça, encore un. ça fait plaisir de parrainer des gens qui soient contents parce que, tiens, j'y pense. La première fois que tu m'as contacté par mail, en fait, tu m'avais dit que c'est ma vidéo qui t'avait fait passer à l'acte. Oui, c'est vrai. Mais j'ai le côté où je suis tout le temps content avec ma voiture ou... Mais exactement, en fait, voilà. Cette sincérité, en fait, cette approche finalement qui est au même niveau que nous, hein, parce que voilà, on a,
on est de la même génération. Oui, je suis pas un pro, hein, moi, je, voilà. Voilà, et ben, c'est ce qui m'a fait donner envie de l'acheter de suite. Parce que voilà, j'aime la sincérité, parce qu'on sait jamais trop ben, les discours de chacun. Là, c'était tellement sincère, on voyait que c'était vrai. Ah, mais c'est un kiff, hein, toujours, voilà. toujours un kiff. Mais je me régale, d'ailleurs, ben, tous les week-ends, on prend la route. Hein. Mais ouais. Et d'ailleurs, je confirme, c'est vraiment un kiff. Tout ce que tu as pu dire, tout ce que tu as pu ressentir, ne serait-ce que sur les accélérations, mais c'est vrai, c'est vrai. Les amis à qui je les ai fait essayer étaient scotchés par ça. C'est magique à chaque fois. C'est génial. Franchement, c'est génial. C'est une voiture fantastique qui coûte pas très cher finalement après. Parce qu'il y a pas d'entretien. Pour ce que c'est, non, franchement, non. Voilà. Non, non, c'est. Allez-y. Bon, ben voilà, encore un utilisateur satisfait. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, si vous voulez acheter une Tesla et que vous voulez être parrainé à avoir 1500 km gratuits, n'hésitez pas, utilisez le lien de Sébastien que je vais mettre dans la vidéo. Ça vous permettra d'avoir 1500 km gratuits à l'achat de votre voiture. Et voilà, je suis très content d'avoir pu l'aider à franchir le pas et à se décider pour acheter une Tesla, parce qu'au final, il est très content, il s'éclate tous les week-ends avec. Ça fait un utilisateur de plus sympa à croiser au superchargeur. Et moi, ça me va si pour ressentir les mêmes choses que moi et être aussi content que moi à l'achat de la voiture. Je suis satisfait, voilà. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Moi, j'ai été ravi de passer ce moment avec vous. Je vous dis encore à très bientôt dans une prochaine vidéo. Profitez bien des vacances, prenez soin de vous. À bientôt, ciao ciao.